Moi, je ne monte pas avec soin. Il ne faut pas faire ça. Je suis mon propre Saint-Père. C'était un Zermalé. Il avait qu'à son copre au moment de manger. Son maman lui appelle. Brema, Brema, oui, maman, viens ici. Il s'en va voir son maman. C'est à ce moment son sèvre, il a tout mangé. Il était de retour, il avait pris de son côté, il lui regardait, lui aussi le regardait. Il s'en va chercher ma sette au moment de tiller. C'est en ce moment il s'est réveillé. Ah, tout ça c'était un rêve quoi. Salut public, bonsoir. Je ne vous attends pas là, bonsoir. Vous êtes là? Oui. Voilà, c'est bon. Hé garçon, il y a des garçons ce soir? Non, vous êtes mauvais. Mon fils Fadimata, c'est lui adapté à 17 000 francs au SOS. Bon, en tant qu'un bon père, c'est lui élève de son petit jusqu'à son grand. Bon, son fils il l'a poussé, c'est-à-dire lui il a grandi. Donc, c'est maintenant il faut attentionner les vins et puis les viens. Parce que garçon, même si vous se couchez et se découchez ensemble, tu peux te faire un coup bas. Donc, en tant qu'un père authentitionnaire, c'est-à-dire exemplaire, il est de ma devoir de lui faire les conseils. Donc, je lui appela. Fadimata, dis, viens ici. Dis, mon fils, tu vois la façon tu es devenu femme là. Là où on dit à camaraderie avec garçon, il faut passer de côté. Parce que garçon, c'est comme un capitalisme. C'est pas l'investissement qui lui intéresse, mais c'est le profit. Donc, porte là, faut bien fermer sa dette. Ah, ça te regarde pas. Donc, un soir, je rentre de mon promenage comme d'habitude. Souvent, quand je rentre, lui coup pour venir me faire atout. Soit là, je rentre, il n'y a pas de atout. Bon, tant qu'un père exemplaire, j'ai un kéo. Donc, je lui appelle. Fadimata, il n'y a pas de réponse. Fadimata, j'appelle lui, c'est là. Ouf. 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 Aïe, Fadimata, tu es malade quoi? Viens, on va laisser les docteurs. C'est là, nous sommes chez les docteurs. Le docteur dit, lui va lui amener dans les salles d'examination. Je dis, ok. Moi, j'ai là, en tout cas, entendu. Bon, j'ai là, et puis j'entends, amenez-lui dans les salles d'accouchement. J'ai dit, qui va se coucher ici? C'est là, on va passer avec mon fils. J'ai dit, hé, attendez. Docteur, lui, là, vous lui amène où? Elle va avoir un bébé. Hein? Donc, Fadimata, conciliation que je faisais dehors là, tu as laissé quelqu'un, il a rentré. C'est là le docteur dit ici, il ne faut pas faire par là. Parce qu'il y a d'autres malades quoi. Il dit, mais si tu veux, tu peux lui assister dans les salles d'accouchement. Je dis, bon, ok. Donc, nous sommes là dans les salles d'accouchement. Bon, le docteur, il est là. Enfin, c'est lui, il va faire les accouchements. Donc, moi, c'est là. C'est vrai, lui a fait quelque chose de très grave, mais il faut que je lui conforte quand même. Donc, Fadimata même, lui-même, il était comme ça. On dit, Fadimata, pousse! Ben! Fadimata, pousse! Ben! Fadimata, prends ton souffle, pousse! Ben! Bébé, là, ça ne vient pas toujours. C'est là, le docteur dit, il faut qu'on lui fasse, ça ne sert à rien. Il dit, docteur, ça sert où? Parce qu'il dit, ah, c'est opération offerte pour enlever bébé pour ceux qui n'arrivent pas à coucher là. Il dit, ah, ok, si ça peut lui aider, il faut lui faire. Donc, c'est là, on lui fait les opérations. Et puis, mon fils, hé, garçon, je vous dis, garçon est salaud, quoi. Lui, il est mort, et puis il l'a laissé. Un nouveau bébé encore, que moi-même je vais encore hébergé. Non, tanti, je vous dis quoi? Garçon quoi? Même dans les moutons quoi? Il y a toujours un salaud quoi? Merci, c'était moi.